Eh bien bonjour à tous. Alors me voici parti pour une session où que j'ai pêché au Worms. Donc c'est un leurre qui marche surtout en été. D'ailleurs c'est une vidéo qui date d'il y a quelques mois. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Et aussi, donc pour le jeu concours, donc le dernier lot à gagner, donc c'est la cuillère. Voilà. Donc le gagnant d'avant donc a choisi lui les tentas. Donc là il reste plus que la cuillère. Donc je vais choisir tout de suite un gagnant. Donc je vais utiliser la même application. Donc, voilà, j'ai déjà copié le lien. Donc là, il n'y a plus qu'à cliquer. Toc. Et le gagnant est. Donc évidemment, c'est pas pour. Oula, attends, je vais vous le dire parce que c'est pas évident. Alors, ça c'est dommage, mais le gagnant c'est moi. Donc je me félicite tout seul. Non, en fait, sans déconner, oui, le gagnant c'est moi. Donc j'ai recommencé, ça a pris un commentaire qui était donc le mien. Voilà, donc comme quoi, tout le monde peut gagner. Voilà, donc là le gagnant, je ne sais pas si vous voyez, c'est Ballista 64756. Donc je t'invite à venir en commentaire. Et puis donc je te communiquerai la façon de faire pour récupérer ton lot. Voilà. Donc pareil, je vous invite à bien suivre les vidéos. Car la prochaine vidéo, ce sera tout simplement une vidéo complètement dingue. Avec un lot, tout simplement le lot le plus important que je vais faire gagner depuis le début de la chaîne YouTube. Voilà. Donc je vous laisse visionner et je vous dis à bientôt. Bon les amis, on vient de nous donner une boîte de verre. Des pêcheurs qui passaient nous ont donné ça. Donc là on était parti pour pêcher le bass. Mais du coup on va mettre un petit coup de verre de terre avec un montage très simple. Juste un hameçon et puis des vers de terre. Sans plomb, sans rien. Et après on va passer sur ça. Donc c'est un leurre qu'on m'a prêté pour la session. Et c'est plutôt rigolo, ça a l'air d'être plutôt efficace pour les black bass. Donc on va commencer par pêcher avec ces petits bouts de verre et puis on va finir avec les worms. Attends. Ah bah. Oh le con. Je cherche la carpe et je prends une perche. Merveilleux. C'est incroyable ça. Elle est jolie. Genre elle est pas grosse mais elle est belle quoi. Ouais, elle a des belles couleurs ouais. Le rouge il est bien accentué on va dire. Ouais, elle est belle. Bon bah voilà. Hop. Oui, il y en a une autre qui a attaqué la première. Alors là. Bon bah voilà les amis. Deuxième petite perche au vert. Oh, elle est plus belle celle-là. Ah non, c'est un gardon. Il a la niaque. Hein. Il a la niaque. T'as vu? Les couleurs jaunes. Les couleurs jaunes qu'il a, c'est incroyable. Je sais même pas si c'est un gardon ou un rotang. Je confonds les deux, moi, de toute façon. Bon, pour moi, c'est un poisson blanc. Allez, on va remettre à l'eau. Hein? Ouais, c'est un poisson blanc jaune. Tac. Ah non, franchement, elle était presque à 40. Ah ouais. Mmh. Oh, j'en ai pris une, mais c'est pas la plus grande. Regarde derrière, tu la vois?
pas la plus grande. Hein. Derrière, il y en a une, je te jure, elle est. Tu l'as ? Ah mais non, mais derrière, il y en a une, c'est un monstre. Oh, elle est jolie là, tiens. Ah non, mais elle est belle. Ah oui, elle est belle. On va la mesurer. Tu veux, j'ai un mec. Ah, tu veux que je t'aide ? Juste pas la poser par terre parce que le sol est bouillant. Et 20... Non, ouais, en plus 26. Ouais. C'est même l'air là. Ouais. T'aimes pas toi ? Attends, je vais la relâcher, mais en mode. Peut-être la première. Hop, là. Yes. Ouais, je viens d'éclater avec les vers de terre. Donc il restait une bonne demi-boîte de vers de terre. On a tout fini sur les perches. Sur les perches, petit gardon. Et Justin nous a même fait un joli bass de 22-23. Donc du coup, voilà, on va passer sur le Worms. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc une petite bouteille de coca pour se déshydrater parce qu'il fait vraiment très chaud. Allez, c'est parti. C'est parti comme j'ai dit. Bon, y a un black bass là-bas, je vais essayer de le prendre. Il est un peu loin, mais bon, tant pis. Sur la rive opposée là-bas. Ah, il tombe, il va le voir. Ah, il est là. Ouais, bien joué. Il est beau. Il y en a un deuxième, non? Ouais. Oh, tu vas le faire. Non. C'est con ce qu'il est plus beau le deuxième. Bon, bah, les amis, je vais le relâcher là. On va jeter un petit peu. C'est parce que je peux pas aller dans l'eau. Hop. C'est moi, il est reparti. Non, j'y arrive pas. Ah, en gros, il y a du poisson là-bas. Sur le deuxième pliage. Ah, bah, bien joué. Là ? Ouais. Ouais, mais ça n'a rien à voir. La nage, elle n'a rien à voir. Hey, fais de la pub pour la Nimble maintenant dans le pliage. Ah, on l'a déjà fait l'autre jour. La vidéo du silure. Voilà, joli petit black bass. Il saigne un petit peu. Hop. Voilà, c'est parti. Je vais réessayer, je pense pas que ça va recommencer. Je vais lancer là. Oh bah il y en a un black bass là. Oh non. Au moment où je lance quoi, je l'ai vu, le leurre il est... Ah, attends, il y en a un qui vient. Il le prend, attends. Incroyable. Incroyable. J'ai jamais pêché au worm, mais visiblement ça fonctionne. Voilà les amis. Donc, je crois que c'est mon premier black bass au worms. Je les recherche pas vraiment, mais voilà. Un poisson de 22-23. Voilà les amis. Un poisson qui fait toujours plaisir. C'est parti, nickel. Il l'avait ? Ouais, il l'avait. Il a loupé cet imbécile. Enfin, il a loupé, il a piqué sur toi. Tu le vois encore ?
pas? Parce que moi, c'est. C'est quasiment sûr qu'il y a dû se casser là, non? Marco, il est parti. En vrai, c'est quasiment sûr que sur mon verre, il le prend. Ah bah, tiens, il y en a un. Oh, il est gros, il est gros. Oh, d'où il y a un bass comme ça ici? Énorme. Oh, il a gobé. Putain, mais je te jure que j'ai encore jamais vu un bass maillé dans cet endroit. C'est que des basses de 15 qu'il y avait. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ouais, il fait plus de 30. Non. Si, si. Non. Ouais, c'est fini. De toute façon, on a un migré. Ouah! T'as dit qu'il fait plus de 30. Oh bah mec, il a avalé mon leurre. Non, il a. J'ai vu, il a. Ah, il est dans l'eau? Bon, bah voilà les amis. Jolie base de 30. Hop! C'est parti. C'est caché sous une pierre.